3, 2, 1, go! Let's go! Yes! Bon, aujourd'hui on est à Montpellier et on a repéré un sacré roof gap qui a l'air bien stylé. Les deux bâtiments ils sont bien gros et peut-être qu'à la récep il y a moyen d'enchaîner avec une petite piscine, un petit plongeon dans une piscine sur un toit. Et j'avoue que l'idée me plaît bien, clairement. On va voir si on peut monter là-haut et si le roof gap est faisable parce qu'il a l'air quand même assez, assez large. Wow. En vrai c'est énorme. Hein, on va essayer de monter sur la récep. Ouais. C'est quoi ce sac à dos? Ça c'est des sacs qu'on est en train de tester. C'est Stop qui nous a envoyé ça. Du coup on va tester tout ça et on vous dira si c'est bien dans les prochaines vidéos. C'est des sacs de quoi? C'est des sacs pour ranger le petit matos photo. Là on va passer au gap. 20 pieds. Là on est en train de passer un sacré cap dans les roof gap game. Oh c'est dur. Ouais. Maintenant que le taille fait, on va aller voir si la piscine Vandale c'est possible. Ça a l'air d'être. Ouais ça a l'air d'être chaud en fait. Faudrait courir là et aller jusqu'à là-bas. La piscine elle est trop basse et. En vrai, on va se faire repérer très rapidement. Moi, j'ai pas envie de laisser passer le timing là, parce que la lumière est folle. Ouais, faut y aller en plus là. On commence à être cramé par les balcons. Vas-y, je vous laisse vous mettre en place. Ça y est, let's go. On a réussi à rentrer dans le deuxième bâtiment. C'est toujours ce petit moment là qui est particulier où. Genre, t'as soif d'un coup. C'est trop bizarre. Et tu dois dealer un peu avec l'adrénaline et tout. Il y a Flo qui est en place. Il y a Jérém qui va se mettre en bas. Du coup, on n'a plus qu'à faire nos bails. On a fait une petite recette un peu smooth pour éviter de faire des talons. Et puis, let's go, hein. Franchement, ça va partir. 20 pieds. Ça va être stylé. Du coup, en attendant que les gars ils aillent sur le roof d'en face pour faire le saut, je vous parlais un peu du sac, vite fait. Du coup, c'est Estop, c'est une petite entreprise. Ils sont pas énormément. Et ils essayent de faire les sacs photo les plus robustes pour les gens comme nous qui font là les aventures. Nous on fait plus des aventures dans la ville mais de base c'est plus pour les montagnards tout ça. Et en soi c'est un peu la même chose, hein. On fait de la montagne en ville quoi, on fait sur le toit. Ce qui est trop stylé pour nous et pour tous les vidéastes et tout, bah, c'est qu'il y a plein de petites poches, plein de petits rangements pour les cartes SD et tout, c'est vraiment tout fait exprès. C'est pas mal, même on peut planquer nos cartes SD si jamais il y a les flics et tout ça. On vous en reparlera dans les futures vidéos, c'est de ça qu'il est cool. On fera un peu plus la promo et on verra si jamais aussi il y a des défauts ou des trucs comme ça. En tout cas c'était grave cool que Stop ils nous aident comme ça en nous fouillant des sacs photos, on voulait en acheter et bah, ils ont été là. Je crois qu'il y a les gars qui sont arrivés sur le roof, du coup je vais aller les filmer à la perche 3-6. Ça glisse pas trop, il n'y a plus qu'un. Ça va le faire. T'es chaud là? Ouais, d'où? Let's go. Attends, il est pas encore prêt. Yes. Je fais un petit élan. Vas-y. Trois, deux, un, go! J'aime pas m'écraser quand je fais une roulade. Du coup, je fais une espèce de roulade, mais avec. Tu fais limite un front. Ouais, je fais un front en fait. Bon, allez, on bouge. Putain, c'est fou ce genre d'expédition. Ça a duré 20 minutes. Ça a été tellement vite. Il y avait juste la scène en fait. Il y avait pas plus à penser. Enfin, si, quand même. Tout ce qu'il y a. Non, non. Faut pas nous prendre pour des tarés.
Mais on savait ce qu'on faisait, du coup il y avait juste à l'envoyer et on savait que tout allait bien se passer quoi. Ça fait quoi là, le premier roof gap de 20 pieds? Moi il y a, quand j'arrive sur l'envoi, il y a mon cerveau directement qui me dit si je l'ai ou pas, tu vois. Et en fait, vu qu'en ce moment on fait plein de roof gap, on les enchaîne, et bah je fais grave confiance à mon cerveau, genre à la visualisation du truc, est-ce que je l'ai, est-ce que machin. Et du coup après la course elle se fait toute seule, juste de faire ça avec Lucho, c'est trop stylé. Quand je l'ai vu, je savais très bien que je l'avais. Genre je pense qu'on peut faire plus gros quand même. Je pense que le grand maximum c'est 25 ans, ouais voilà. Mais genre avec un peu plus de drop. Mais je pense que c'est le grand maximum. Ah ouais, avec une bonne course là il y a du moyen, mais en se préparant beaucoup plus que là ce qu'on a fait quoi. Ok, c'est cool, trop stylé. En vrai, il passe bien. Ouais. Bon les gars, on va bientôt commencer notre Tour de France. Donc la petite série J'irai tracer chez vous. Le but c'est de vous rencontrer un peu plus que d'habitude. Genre l'idée c'est de créer des événements tous les week-ends dans différentes villes de France. Et puis pourquoi pas vous accompagner si vous connaissez un spot que vous avez envie de nous le montrer, que ce soit du parcours ou du cliff, nous on est trop chaud. Et si jamais vous voulez nous héberger et qu'on plante les tentes dans votre jardin, voilà, pour qu'on passe une bonne petite soirée ensemble, bah, ce sera avec grand plaisir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle J'irai tracer chez vous, comme l'émission J'irai dormir chez vous. Aujourd'hui, ce dimanche, on est à Rennes à 14h au spot de la Fontaine. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à venir. Donc c'est le premier rassemblement du Tour de France. Et la prochaine date, c'est le 10 juillet à Bordeaux sur le spot de Mériadec. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ça va être trop cool. Bon, sur nos titres, on aura une petite carte, comme ça vous pourrez voir à peu près en temps réel où on sera, à peu près dans quelle région. Comme ça, ça vous donnera des idées si jamais vous voulez nous proposer des spots. Ça peut être des spots de parcours, de cliff, mais aussi des spots pour faire du camping sauvage. De toute façon, nous l'idée c'est de rencontrer le maximum de personnes, de vivre le maximum de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer ça en DM Insta par contre. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour vous contacter en message privé. Bon, pendant le Tour de France, on aura toutes nos collections de vêtements. On a aussi un t-shirt exclusif pour le Tour de France et il sera disponible que pendant les rassemblements. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Les fringues ils seront un petit peu moins chères, donc profitez-en. Petite session parcours, elle nous a donné chaud. On va essayer d'aller chercher un petit spot de baignade. On se retrouve là-bas. Je viens de découvrir un spot de parcours en marchant. Comme quoi, des fois, faut arrêter un peu la voiture et marcher. C'est une ancienne usine. Mais ouah, c'est trop stylé. Il commence déjà. Oh là là, gourmand d'eau, il est déjà dessus. On voulait aller se baigner là et on est tombé sur une espèce d'ancienne usine avec des murs qui s'enfoncent dans la paroi là et c'est trop stylé. J'ai l'impression qu'on peut faire grave du parcours dedans. Bon, pour l'instant il fait trop chaud pour bouger ici. Go se baigner et on reviendra là-bas tout à l'heure. Elle est tellement belle! Mais non, mais. Ah oui, bah t'es plus dans l'eau aussi! Bah ouais! Ouah! Allez, voyons! Oui! Ah bon, on s'est tous rafraîchis sur ce petit spot là, ça fait du bien. Et maintenant, on va pouvoir retourner à l'ancienne usine, je crois que c'est une grosse urbex. On va pouvoir bouger et faire une petite séquence de parcours bien stylée. Là ils sont trop traîtres, il y a des gros cailloux et du coup si tu fais pas gaffe où tu marches ta chute tourne et là ça a tourné, ça m'a rien fait mais c'est chiant. T'es prêt? Ouais. Bah,
ce genre de spot d'urbex là, c'est vraiment trop stylé parce qu'il y a plein de trucs à faire, mais il faut faire quand même gaffe parce qu'il n'y a rien qui tient vraiment, il y a des bouts de métal qui sortent et tout, donc c'est tout le temps un peu sketchy. Donc là on a repéré un petit run avec Louis, on va le faire en POV, ça part direct, je crois que Vlado est prêt aussi. Let's go. Ça y est, il pleut. Franchement, ça régale. On espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Nous, on essaie de faire des vidéos tous les dimanches comme ça. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez nous soutenir, que vous kiffez notre taf, ce qu'on dégage, notre travail. On vous rappelle la petite collecte de vêtements qui est sortie. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!